Alexander Voroboyov, l'Ukrainien. Alors attention à lui parce que, compte tenu de la prestation de Safoskin, il peut lui passer devant. Avion remonté à la croix inversée, là c'est beaucoup plus tenu. Oui, ça tient bien, hein. Ça bouge pas d'un centimètre. Et il y a différence de netteté. Double avant au mât. Remonté à la planche faciale. Croix de fer remontée ici à la croix de fer inversée. Grand élan planche faciale. Retour à l'appui tendu renversé, un soleil. Et sortie en double tendu. Oui, c'est bien pour le jeune ukrainien. Alors, est-ce qu'il va passer devant Alexander Safoskin? À mon avis, oui, puisque même sur la sortie, c'est mieux. Hein. C'est mieux, et c'est, de toute façon, c'est la même sortie, sauf que le Safoskin a fait deux pas à la réception. Maintenant, les juges sont les seuls maîtres à bord maintenant pour la note de Voroboyov. Ouais, voilà. Bah écoutez, hein, ils ont décidé de laisser Alexander Safoskin en tête pour l'instant avec la note pour le russe, je vous rappelle, de 15,775.